Allez dans l'autre bord gros salle là. Y a pas de nous. Razor Hughes, tu as entendu parler de lui? Non, il est sponsorisé par une marque de crème à raser. C'est le triple champion du monde des poids lourds. J'aurais jamais cru le voir ici, vu que c'est un athlète célèbre avec de grands sponsors dans les corpos. Et voilà que son agent nous contacte et nous dit que ce serait bon pour son image. Razor qui revient à ses racines pour prouver qu'il reste un gamin de la rue. Chance au moins. Ah, bonne question. T'es doué, mais très doué. Mais ce gars-là, c'est une machine. Fibre de carbone, os en titane, articulation hydraulique. Et les meilleurs bio-ingénieurs de Night City ont optimisé tout ça. Je sais pas. Victor aura peut-être des conseils à te donner. Vic est là ? Attends, tu crois qu'il manquerait une occasion pareille ? Bon, écoute, je vais être franc. Ça s'annonce mal pour moi. Mais c'est peut-être pas plus mal, tu crois pas? Si Razor est sûr de gagner, ça te dirait pas de gagner un petit truc, quand même? Vas-y, je t'écoute. Non, pas ici. Il y a trop de monde. Allons, allez, gars. Ce que je vais te dire, ça doit rester entre nous. D'accord ? Arrête ton cinéma. Tu me veux quoi ? Bon, je vais être direct, mais je sais que le sport doit être juste, mais la vie ne l'est pas. Pas vrai ? Le manager de Razor veut que sa vedette en mette plein la vue. Il veut que toute la ville entende parler du carnage qu'il fait sur ce ring. Donc voilà. Décoche quelques coups de poing. Oublie parfois de lever ta garde. Et puis couche-toi tranquillement. Combien ? Un paquet. Plus que tu toucherais en gagnant. Tout le monde a un prix. Mais le mien est trop élevé. Tu vas te faire pilonner la gueule, V. Tu fais le mauvais choix, mais c'est toi qui vois. Allez, vaut mieux y retourner avant que les gens se mettent à jaser. Pardon, je peux vous parler? Ce sera pas long, promis. Bon, vous êtes prêts à vous battre? Quoi? Bien. On y va? Je suis prêt. Mesdames et messieurs, citoyens de Night City, voici le moment de notre rencontre poids lourd. Le combat de ce soir oppose Razor Hughes et B. Applaudissez-les bien fort. Allez-y, rejoignez votre coin. Vic, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Je suis venu voir le combat de l'année. Tout le monde parle que de ça. Laisse pas tomber maintenant, d'accord? Hey, V, comment va le moral avant le combat? Bien. Mais j'ai les poings qui me démangent.
On va pas loin dans ce sport sans un peu de confiance en soi. Mais tu sais, la pensée positive fait pas tout contre un adversaire comme Razor. Ça veut dire quoi? Ce type est un char, sérieux. Pourri le skin en anneau fibre, amortisseur. Tu lui connerais sur le crâne à la masse, tu ne broncherais même pas. Merci, ça motive. Attends, j'ai pas fini. Il a un point faible. Il s'est fait échanger des muscles abdominaux il y a une semaine. Et ils sont pas encore totalement implantés. Si tu le frappes là, il le sentira passer. Merci, Vic. C'est noté. Vous êtes prêts à y aller? On sonne le gong? Ouais, allons-y. Allez, c'est parti. Que le meilleur gagne! Frappe-le dans le vide! Jusqu'à ce qu'il... Arrêtez! Le combat est fini! Le titre et le prix reviennent à Razor Hughes, votre champion! C'est un plaisir de te battre. Tu veux te faire quelques eddies comme Punching Ball? Hein, je pourrais t'accrocher au plafond, finir ce que j'ai commencé, t'en dis quoi? Ça dépend. Tant que je supporte tes conneries ou ça t'arrive de fermer ta gueule? Hé, hey, vous deux, on se calme. Le combat est fini. T, par ici, s'il te plaît. Faut qu'on parle. Tant que t'as entendu raison. Tiens, tes gars, comme promis. Je crois que j'ai largement mérité chaque déni. Putain, ce Razor, quel connard. Oui, c'est sûr. Mais il se trouve à sa place. Et il a ce qu'il a. N'y pense plus. Après tout, les Eddies, c'est tout ce qui compte. Et tu en as un joli paquet maintenant. Je vais pas venir, 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 je